Salut à tous, bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo pour le blog Journal d'un apprenti survivaliste. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un couteau, il s'agit du Condor Sapiens. C'est un petit couteau comme vous pouvez le voir, couteau à destination bushcraft a priori. C'est un couteau qui est livré avec un étui en cuir d'assez bonne facture. Ici j'y ai rajouté une lanière paracorde, un bout de chambre à air de vélo et un fire steel suédois. Ces trois éléments ne sont pas compris à l'achat du couteau, bien entendu. Alors, le couteau en lui-même, c'est un modèle en acier 1075, acier teneur en carbone 1075, manche en bois riveté. C'est un couteau plate semelle, comme vous pouvez le voir, assez épais. Le couteau fait 4 mm sur la section la plus large et 3 mm sur la section la plus courte. C'est un bon couteau qui souffre cependant d'un inconvénient qui me semble assez majeur, surtout dans une optique survivaliste. Il dispose d'une émouture convexe extrêmement prononcée qui rend l'affûtage assez compliqué. Alors, lorsque je l'ai reçu, il coupait très bien, j'en étais enchanté jusqu'au moment où j'ai dû refaire l'affûtage la première fois. Alors, à ce moment-là, je me suis vite rendu compte que mes différentes pierres ne fonctionnaient pas, et notamment ma Falkniven DC4, avec laquelle pourtant j'arrive à affûter l'ensemble de mes autres lames. J'ai testé un affûtage avec papier de verre posé sur un mousse, ça n'a pas fonctionné malgré l'utilisation de différents grains. Voilà, je rencontre vraiment des difficultés à affûter cette lame, contrairement à tous mes autres couteaux pour lesquels j'arrive à obtenir un tranchant rasoir de manière assez simple. Alors ici vous pouvez voir la marque du fabricant et l'endroit où il a été fabriqué. Voilà, mis à part cet inconvénient, c'est un très bon couteau. J'ai déjà bâtonné d'énormes bûches avec, par rapport à sa taille, c'est assez surprenant de voir ce qu'il est capable de faire. C'est un couteau à tout faire, mais je répète, dommage pour cette difficulté à affûter. Si jamais je trouvais un moyen de l'affûter correctement, il prendrait encore plus d'intérêt pour moi. J'envisage actuellement de refaire l'émouture pour une émouture plate, dans la mesure où cette émouture convexe est vraiment, vraiment trop compliquée. Voilà, à plus et ouvrez l'œil.